Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Crypto Gaming. Je publie des vidéos tous les jours, alors si ça te dit rejoins l'aventure en t'abonnant et en activant la cloche pour ne rien louper. Et on est reparti pour du No Man's Sky pour l'épisode 29. Là je viens de relancer ma petite partie, ça avait bugué juste avant, ça continue de bugger un petit peu. C'est le mien celui-là? Ouais, c'est un des miens. Qu'est-ce qu'ils font tout ça? Ouais, j'en ai acheté pas mal sur le vaisseau. Alors si ça se trouve, ils sont peut-être revenus par là. Et je pense pas que mes autres vaisseaux soient là. Ah bah mince! Ils sont tous là? Là c'est tous les vaisseaux que j'ai. Ah donc ce qu'avait dit la personne c'était vrai. En mode tous nos vaisseaux apparaissent sur le cargo. Alors, je sais pas comment ça se fait, mais c'est tant mieux. Ah, c'est stylé. Salut. On va aller voir si ça se passe bien. En plus, on va faire les missions. Mais non, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ouais, pas mal celle-là. Ça rame un peu leur truc pour les choper. Ah mais allez, voilà. Ah, enfin, normalement, c'est bon. Tant pis, ça c'est bon, ça c'est bon. Voyons voir. Ah, encore? Ah, en plus, c'est lui. Ok. Moi je vais les laisser pour l'instant. D'ailleurs je sais pas pourquoi. Bah si je pense, je me doute du moins. À mon avis. Ah si je vais réparer hein, vite fait. À mon avis ça prend plus de temps parce que j'ai plus de vaisseaux. C'est un peu chiant ça. Parce que avant ça prenait moins de temps. Ou alors c'est soit ça, soit. Soit c'est parce que. Certains vaisseaux vont moins vite que d'autres. Et du coup, ça serait à cause de ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai chopé un nouveau. Un classe S. Il est venu sur le cargo à un moment donné. Quand j'ai vu ça, je fais, oh, je suis obligé de le prendre. Juste, il a juste un truc qui va pas. Que celui-là... C'est quand même surprenant, le classe A... En mode, bon il a tout en vert, mais le classe S il a un truc en rouge.
De corange. Bon, c'est bon. Je suis content quand même. Et il a augmenté à 3. Ouais, c'est ça qui permet d'augmenter, parce que ça augmente au fur et à mesure. Il est passé en classe B maintenant. Ah, c'est bien, c'est plus ils font en fait de missions, plus ils s'améliorent. Ah ouais, dans ce cas, il faudrait que j'en fasse autant possible. Au moins celui-là, il est simple à réparer. Tac. C'était quoi ça, 5? J'étais trop vite, j'ai même pas eu. Et je pensais que c'était du tritium, du coup j'ai pas réfléchi. J'espère que c'était bien du tritium. Ça va. Ensuite, bah j'ai fini ça. Ah, il y a encore un dernier truc que je voudrais faire. C'est super pratique leur truc de téléportation. Franchement, ils ont géré avec ce jeu, c'est un truc de dingue. Faut que j'aille par là. Là maintenant, on active les missions qu'il faut. Non. Non plus. Pas encore. Ah, bientôt. Je crois que j'ai même ce qu'il faut. Amas fongique. Ouais, justement, ouais, j'en ai récupéré. Ouais, bon, sinon. Ah, mais non, parce que s'il faut, non, faut rentrer à la base. Je veux faire les planètes avant. On va faire retourner auprès du scientifique. Il est où? Apparemment, c'est toujours les mêmes, comment dire, le même dialogue. J'avais un peu peur. Bon, bah, tant mieux. Non, encore? C'est un peu dommage en vrai. Bah oui, de toute façon. Sur quoi dans le deck, d'accord. Ah, génial. C'est génial. Par contre, je me souviens plus c'était pourquoi, mais c'est génial. Et je sais que j'en ai besoin quelque part. Ah, ça coûte cher par contre. Que je réfléchisse. Ça me servait à quoi? Ah oui, c'est. Il était là. Parce que ouais, j'ai gagné ça aussi avec. Comment dire? Avec les expéditions des frégates. Quand ils sont revenus, ça m'a apporté ça. Bah, je l'ai pas encore fait, par contre. D'accord. Je sais pas, je réfléchirai. D'accord, oui, c'était pour ça. Polyfibre.
Ah, bulbe d'étoile, 200. Je crois que j'en ai un peu dans la base. Ouais, bon, pour l'instant. Ah, je suis content, ouais. Ouais. Bah, comme ça, la prochaine fois qu'on rentrera à la base, on pourra faire pas mal de choses. Mais, on va se remettre. Et ils sont à nouveau plus là. Faut vraiment qu'on m'explique comment. Pourquoi ils sont plus là? Ah, les amis, si vous savez pourquoi ils apparaissent et disparaissent comme ça, j'en serais très content. C'est un peu bizarre quand même. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que j'en vende deux. J'en ai deux qui sont dans un mauvais état et que de toute façon, je pense pas que je les utilisera. Mais je suis quand même content, ça avance. On avance doucement, mais ça avance. Après, je pense que ça avance doucement parce que aussi j'ai tendance à vouloir visiter chaque planète. Dès qu'il se passe quelque chose, j'essaye de voir ce qui se passe. Mais bon, mine de rien, c'est comme ça que j'ai eu mon vaisseau. Parce que j'aurais pas arrêté mon vaisseau pour écouter le signalement. J'aurais pas pu le repérer. Et franchement, je le regrette pas. Il est terrible comme vaisseau. D'ailleurs, je pense que j'aurai du mal à en changer. Est-ce qu'il y aurait un truc intéressant? Forcément, j'arrive en pleine nuit. C'est quoi ça? Ah, c'est juste de la pierre. Là, c'est du cactus. Oh, puis je vais récupérer le cactus et puis voilà. En plus, si je pourrais avoir un peu de des cristaux bleus, ça m'arrangerait bien. Parce que j'ai tout utilisé. Je sais plus pourquoi je les ai utilisés, mais j'ai tout utilisé. Il reste plus rien. En plus, je m'en doutais que j'allais à un moment donné que j'allais en avoir besoin comme il y a pas. Ah, déjà.
Voilà. J'ai tout. D'ailleurs, j'y pense. Non, on peut jamais les faire. Peut-être aller chercher aussi les cubes de Corvox. C'est vrai qu'il n'y a pas une seule bestiole que j'ai vue. Cristal flottant. Aïe, ça a l'air mal. Ah, génial. Elles sont toutes petites. Trop loin, je pense. Pas aussi près que ça. Oh, oh, oh. Et mourir, ça serait bien. Voilà. Ce qu'il y en avait un peu plus en haut. Ok, juste récupérer quelques cubes et ça sera bien. Ouais, ça m'a l'air bon.
Qu'est-ce que c'est que ça? Il ressemble à l'une de mes nouvelles bestioles. Eh mais c'est vrai. Je vous ai pas montré encore les nouvelles bestioles. Allez, je vais vous montrer ça vite fait. Regardez-moi ça. Ah, ça c'est pour après. Voici le premier. Regardez-moi sa rapidité. Franchement, pas trop mal. Mais j'ai encore mieux. Ah, je sais que vous l'avez vu. Le voilà. Grâce à lui, je peux carrément voler dans les airs. Youpi! C'est quand même dingue. C'est super rapide en plus. Hop là. Bon, c'était juste pour vous montrer en vite fait. Ah bah d'accord, ils étaient tous là en fait les bestioles. Bon bref. Hop, direction des reliques souterraines. Je suis pas très chaud pour récolter la grotte. Non, moi je veux juste les cubes. Allez hop. Maintenant que j'y pense. Non, on peut pas. Voilà. Ce que je vais faire, on va aller voir cette bestiole qui est là-bas. Elle est où? Voilà. Voilà.
Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'elle est encore là. Hein. Oh, ça va être bon pour cette planète là. Moi, je vais renvoyer. Et c'est vrai que c'est une super pratique, j'espère en retrouver. Bon, ça c'était bon. Je voulais un autre truc. Allez, ben. Allez, hop, on y va. D'ailleurs, les amis, ça va être la fin de l'épisode. Dans le prochain épisode, on va explorer le reste des planètes. Moi, je vais juste récupérer le cristal là. Et c'est quoi ça? Sac de vin. Ah, j'ai peut-être. Bah, dans le prochain épisode, je pense que je vais le mettre direct et puis on va aller chercher ça. Bon, en tout cas, comme d'habitude, ma petite phrase, si jamais l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un max de pouces j'aime, ça aide énormément la chaîne. Et si t'es pas encore abonné, mais que mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu les verras dès qu'elles sortiront. Sur ce, je vous dis à bientôt la compagnie.